Everybody ready? Yeah. Okay. So it's my pleasure to introduce Alain Naze. He is teaching philosophy in France, in Brittany. He graduated at the University of Paris 8 with a thesis on Pier Paolo Pasolini, Italian writer and filmmaker, and Walter Benjamin, German Jewish philosopher. It's also some sort of a comparative study between Pasolini and Benjamin. Then, a few years after that, he became, let's say, notorious, more than famous, by publishing that book, which is in English, a Manifesto Against Gay Normalization. So something which, as you can hear, somehow contentious. Okay, and more recently, that is this year, a few months ago, we published together that book, which is, let's say, on sexual morals and politics. Okay, so, as you saw, he will talk about same-sex marriage in Taiwan, okay. And the title is, again, on normalization. Can it evade the normalization of gay and lesbians? So he will talk, he will give his speech in French. You can follow on the English translation. So I hope you can follow in a way which is adjust to his talk. Then we will make a brief stop, and then our friend Yonghao Liu, who teaches cinema in Taipei. It's one of the many universities in Taipei. He teaches cinema. So he will ask a few questions, and then, okay, of course, the discussion will be open to everybody. So this is how it looks like on our. So should we welcome him? So many thanks for the invitation. Institute is very happy to give that talk. Yeah. Si cette intervention donc se limite au cas de la demande et parfois de l'obtention de la forme contractuelle du mariage par les couples de même sexe, je ne voudrais pas pourtant que cet aspect des choses en vienne à masquer un phénomène plus général et contemporain qu'on pourrait désigner comme une forme de judiciarisation généralisée des questions de sexualité et de rapport entre les sexes. C'est à partir de là, me semble-t-il, qu'on peut saisir quelque chose de la dimension symptomatique que revêt cette revendication du mariage entre personnes de même sexe, à savoir le fait d'envisager toute forme de droits supplémentaires octroyés comme un accroissement de liberté, au moins dans le cas de la France, ce qui ne signifie évidemment pas qu'il faille laisser de côté la tout à fait légitime demande d'égalité la campagne. Dans le cas de la France, l'adoption du mariage entre personnes de même sexe a fréquemment été présentée comme une forme de progrès pour les gays et lesbiennes, certains, certaines, allant même jusqu'à considérer que cette avancée juridique sur le terrain de l'égalité constituait le prolongement des mouvements dits de libération sexuelle des années 70, voire leur parachèvement. Or, il est aisé de constater que les mouvements dits de libération sexuelle des années 70 ne privilégiaient guère le terrain juridique, si ce n'est dans le sens où ils pouvaient viser à une suppression d'un certain nombre d'interdits et de limitations, ce qui les conduisit notamment à revendiquer une égalité dans l'âge reconnu
comme celui de la majorité sexuelle, qu'il s'agisse de relations homo ou hétéro. Il s'agira donc de chercher à cerner le virage ainsi réalisé entre les années 70, notamment en France, et notre époque, qui conduit aujourd'hui à revendiquer le mariage pour tous, par exemple, quand l'époque précédente voyait plutôt une voie de libération dans un écart vis-à-vis des formes maritales d'existence, remettant même souvent, assez souvent en question, la notion de couple. Pour se rendre compte du fait que nous avons bel et bien changé d'air en ce qui concerne ces questions, il suffit de considérer le souci de reconnaissance sociale qui a imprégné cette revendication du mariage entre personnes de même sexe, qui fut même un souci de respectabilité, tranchant, d'évidence, avec les propos d'un Guy Ockenheim qui en appelait tout au contraire à une homosexualité délinquante. Il semble dès lors incontestable que dans ce cas, c'est bien un mouvement de normalisation des gays et lesbiennes qui transparaît à travers ce type de demande, en ce que la revendication d'accès au mariage pour les couples de même sexe s'origine dans une volonté de valoriser une logique d'inclusion. Or, s'assimiler dans une société hétérocentrée, ce n'est en tout cas pas ce que revendiquaient la plupart des mouvements homosexuels dans les années 70, en ce qu'une telle demande eût signifié une forme de reniement de l'homosexualité entendue comme susceptible d'ouvrir sur des formes d'existence à même de rompre avec l'organisation générale d'une société hétéronormée. Dans le cas de Taïwan, ayant récemment opté pour le mariage de personnes du même sexe, on aura à se demander si c'est une logique comparable qui préside à cette évolution juridique. Autrement dit, n'existe-t-il pas à Taïwan certaines spécificités qui permettraient peut-être au mariage entre personnes de même sexe d'échapper à une telle normalisation des gays et lesbiennes. Si l'on envisage les années 70, en particulier dans le cas de la France, mais beaucoup plus largement en fait, le mouvement dit de libération sexuelle, mouvement féministe compris, s'enracinait très largement dans un terreau de type révolutionnaire, de remise en cause de la société capitaliste et d'une forme de morale dite bourgeoise. Dès lors, il n'est guère étonnant que quelqu'un comme Guy Ockenheim, au sein du FAR, Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, ait pu défendre l'idée d'une homosexualité délinquante. En cela, il s'agissait de s'opposer à une définition objectiviste de l'homosexualité, la réduisant au fait d'entretenir des relations sexuelles avec des personnes de même sexe que soi, pour privilégier donc une définition non substantialiste de l'homosexualité concernant chacun d'entre nous, en ce sens qu'il pourrait y avoir de l'homosexualité aussi dans le cadre de relations entre personnes de sexe différent. Dans cette optique, il s'agissait ainsi d'enregistrer le fait qu'à partir d'une petite différence dans le sexe des partenaires sexuels, on pouvait aboutir à la production de formes d'existence novatrices, ce dont l'ensemble de la société aurait pu alors bénéficier à travers une sorte de remise en cause de ce qu'on pourrait nommer l'ordre des familles. En cela, on ne trouve donc aucune trace d'assimilationnisme gay, raison pour laquelle l'homosexualité, ainsi définie, conservait une charge potentiellement révolutionnaire. Cela confirme donc que rien n'était plus étranger aux activistes homosexuels à cette époque que la recherche d'une forme de respectabilité, devenir respectable dans une société, c'est en effet valider son organisation générale, sexuelle, politique, économique, chose évidemment impensable pour un mouvement révolutionnaire. Pour en rester au cas de la France, mais encore une fois, ceci pourrait être élargi, peut-être qu'on en dit, à bien d'autres régions du monde, la revendication récente d'un droit à se marier entre personnes de même sexe indique de façon suffisamment claire le retournement qui s'est opéré entre-temps. Il s'agit en effet, cette fois, d'une demande pure et simple d'inclusion au sein de la société telle qu'elle est, en l'occurrence à travers l'institutionnalisation d'un lien conjugal entre personnes juridiques de même sexe. Ainsi se trouve reconduit l'ordre hétérocentré de la société, le mariage entre personnes de même sexe signifiant la simple extension du mariage, jusqu'ici exclusivement hétérosexuel, aux homosexuels. Le couple en vient ainsi à constituer une forme d'existence validée par cette revendication, au détriment d'expérimentations sexuelles non instituées, plus riches, parfois numériquement, mais aussi du point de vue de l'invention de nouvelles formes d'existence. Pour confirmer ce renversement, on signalera le fait que se trouvent fréquemment stigmatisées celles qu'on appelle les folles, c'est-à-dire les gays efféminés,
recherchant l'outrance dans des comportements étiquetés comme féminins, pour le tort qu'elle porterait aux revendications propres à la Gay Pride et correspondant globalement à un souci de respectabilité. On pourrait aussi évoquer le repli de la sexualité sur la sphère privée, qui indique bien cette revendication des gays et lesbiennes à se marier. À cet égard, n'est pas à négliger par exemple le fait que l'habitude d'entretenir des relations sexuelles en public chez les gays tend à régresser, certaines plages traditionnellement réservées à ce type de pratique étant désormais fréquentées surtout par des gays plutôt âgés. La répression accrue de ce type de comportement ne sera expliquée à elle seule cette évolution. C'est bien plutôt parce que la sexualité semble à présent réservée à la sphère privée, nouvelles normes, nouvelles sensibilités, que certains riverains des plages dont on parlait à l'instant vont commencer à se plaindre auprès de la puissance publique de certains comportements, pourtant pas nouveaux du tout, en ces lieux. Là où les mouvements gays révolutionnaires n'entendaient pas que les comportements fussent régis par la loi, ils visaient bien plutôt, selon l'expression de Rousseau, de Foucault, à être gouvernés le moins possible. Aujourd'hui, c'est bien vers l'État que certains homosexuels se sont tournés pour en obtenir une forme de reconnaissance sociale à travers, précisément, l'accession à la possibilité juridique de se marier entre personnes dites de même sexe. Et c'est tout ce mouvement revendicatif actuel, par ailleurs plus une affaire de lobby propre à des associations LGBT, du moins dans le cas de la France, qu'une demande émanant réellement de la masse, laquelle va commencer à se manifester réellement qu'en réaction aux manifestations anti-mariage gay. Donc, tout ce mouvement revendicatif va présenter cette étape du mariage comme le Graal pour les personnes LGBT, c'est-à-dire comme l'achèvement de leur longue marche vers l'égalité et la liberté. Certaines, voyant dans l'accès à la PMA, procréation médicalement assistée, accordée aux couples de même sexe, voire pour certains la GPA, gestation pour autrui, la suite logique de l'accès au mariage. Du coup, les étapes antérieures des mouvements gays et lesbiens sont repeintes, de fait, comme de simples moments, au sens hegelien du terme, donc comme n'ayant de valeur que rapportée à ce terme supposé, ayant préparé de loin et de façon souvent obscure, irrationnelle, et donc parfois d'une manière apparemment contradictoire, l'avènement du mariage pour tous. On retrouve là, pleinement exprimée, la si fréquente illusion du progrès. Dès lors, les pays ne reconnaissant pas le mariage homosexuel ne vont pas tarder, quand ce n'est pas déjà le cas pour certains d'entre eux, à être relégués au rang de pays obscurantistes, ignorant les lumières, à l'écart de la raison donc, homophobes et non démocratiques. Dès lors, par la même occasion, c'est la démocratie en tant que telle, signifiant de plus en plus vide, qui se trouve placée en situation d'étape ultime du progrès en matière d'organisation politique et de droits humains. Dans ces conditions, cette accointance postulée entre possibilité de se marier accordée aussi aux personnes de même sexe et démocratie, nous permet de ne pas nous étonner que la dimension juridique soit placée au centre des revendications des tenants du mariage pour tous, précisément en référence à la notion d'état de droit. Concernant le droit, précisément, on peut considérer que le fait de placer la discussion sur le plan juridique en vue d'obtenir un surcroît de liberté peut se justifier lorsqu'il s'agit de mettre fin à un interdit empêchant certaines pratiques. Ce fut le cas, par exemple, en Allemagne, lorsqu'il s'est agi de militer pour la suppression du paragraphe 175 du Code pénal qui interdisait toute relation entre personnes de même sexe, même si ce paragraphe était tombé en désuétude, toujours présent dans la loi, il pouvait se trouver un jour réactivé. Plus généralement, la lutte sur le terrain juridique se comprend dans le sens d'une liberté plus grande lorsqu'il s'agit de lever un interdit, de façon à rendre possible certaines pratiques à propos desquelles la loi ne dit rien positivement. Il en va tout autrement lorsqu'il s'agit de droits qu'on pourrait qualifier de prescriptifs. Si le mariage pour tous constitue bien la suppression de l'interdit de se marier entre personnes de même sexe, en revanche, il ne se cantonne pas à cela. Ce nouveau droit emporte avec lui des formes d'existence déterminées, précisément celles qui jusqu'ici se trouvaient réservées aux couples de sexes différents. Ce nouveau droit est donc loin d'être riche de potentialités d'existence diverses et encore à venir, ouvrant seulement aux homosexuels, au fond, la possibilité d'accéder à des formes d'existence hétéronormées, à commencer par la reproduction de l'union à deux, du couple, d'un lien juridique entre personnes. Certes, bien des gays et lesbiennes considèrent que leur accès à la possibilité de se marier finira par changer le mariage en ses modalités concrètes, voire la famille elle-même. Mais une fois validées les formes de la famille et du couple, quelle marge de manœuvre leur reste-t-il
pour que leur union évite de se dissoudre dans la forme jusqu'ici exclusive du mariage, forme hétérosexuelle. On rappellera à cet égard que Guy Hautingame n'opposait pas stricto sensu les homosexuels aux hétérosexuels, mais les premiers aux hétérophiles, voire aux homophiles. Par là, il indiquait combien sa conception de l'homosexualité échappait à une définition objectiviste. Le rappel à l'ordre des familles, du couple, et plus tard au temps du sida à l'ordre sanitaire, pouvait aussi provenir d'individus qu'on aurait pu qualifier objectivement d'homosexuels. Les formes d'existence sur lesquelles peut ouvrir l'homosexualité non substantielle, ce sont par exemple des formes de relations infrapersonnelles, où des flux de désirs en viennent à croiser des objets partiels. Quelle place pour l'idée de mariage, en effet, dans telle configuration ? Foucault, d'ailleurs, ne citait pas Trompé, qui écrivait, je cite, « Qu'au nom du respect des droits de l'individu, on le laisse faire ce qu'il veut. Très bien. Mais si ce qu'on veut faire est de créer un nouveau mode de vie, alors la question des droits de l'individu n'est pas pertinente. En effet, nous vivons dans un monde légal, social, institutionnel, où les seules relations possibles sont extrêmement peu nombreuses, extrêmement schématisées, extrêmement pauvres. Il y a évidemment la relation de mariage, et les relations de famille. Mais combien d'autres relations devraient pouvoir exister, pouvoir trouver leur code, et non pas dans des institutions, mais dans d'éventuels supports, ce qui n'est pas du tout le cas. » Fin de citation. Ce cadre juridique, conféré a priori à certaines relations, ne peut jouer par conséquent que le rôle de carcan, bien loin d'épouser des formes d'existence effectives en leur diversité. Et pourtant, Foucault n'était pas contre toute forme d'institutionnalisation éventuelle des liens entre personnes dites de même sexe, quoique sa proposition aboutisse de fait à subvertir la notion même d'institution, comme on va le voir. Il écrit en effet ceci, et je cite à nouveau Foucault, « Il faut renverser un peu les choses. Et plutôt que de dire ce qu'on a dit à un certain moment, essayons de réintroduire l'homosexualité dans la normalité générale des relations sociales, ce qui veut dire au fond qu'il s'agit d'une critique de la logique inclusive de certains gays et lesbiennes, et donc aussi de l'extension du mariage entre personnes de même sexe, donc Foucault continue, disons au contraire, mais non, laissons-la échapper dans toute la mesure possible, du possible, au type de relation qui nous est proposé dans notre société, et essayons de créer, dans l'espace vide où nous sommes, de nouvelles possibilités relationnelles. En proposant un droit relationnel nouveau, nous verrons que des gens non homosexuels pourront enrichir leur vie en modifiant leur propre schéma de relation. » Fin de citation. Dans le cadre de la proposition de Foucault, le renversement de l'institution tient au fait qu'il s'agirait non plus d'instituer des relations ayant à se conformer à ce modèle, mais de faire en sorte que ce soit la nature même de la relation qui ouvre sur un droit nouveau. Dès lors, il ne s'agit plus de faire en sorte que les relations entre personnes de même sexe accèdent au statut juridique de celles entre personnes de sexe différent. Le renversement de perspective proposé par Foucault conduit à ce que ce soit l'ensemble de la société qui puisse désormais bénéficier de ce nouveau droit relationnel. En cela d'ailleurs, on retrouve un objectif propre à l'homosexualité non substantielle défendue par Hautingame. Pour en finir sur ce point, c'est-à-dire avant d'en venir au cas de Taïwan, faisons remarquer que la référence omniprésente aux années 70 ne signifie aucunement une volonté restauratrice de ma part. Me situant davantage dans la lignée de Walter Benjamin, j'y puise bien plutôt des éléments susceptibles de venir opérer une fonction critique relativement à la police contemporaine des énoncés, autrement dit, un moyen de décoller des évidences apparentes de notre temps. Si le passé est révolutionnaire, comme a pu le soutenir Pasolini, cela doit se comprendre au regard de la balafre qu'il est susceptible d'opérer dans notre présent. Pour nous en tenir à notre propos, c'est parce que l'enregistrement des changements propres au mouvement homosexuel, devenu LGBTQI, comme constituant nécessairement un progrès, nous semble constituer une simple illusion que la mise en présence des énoncés d'époque concernant les relations homosexuelles avec ceux des années 70 nous a paru utile. Nous croyons nullement que les mouvements homosexuels aient atteint une maturité qui manquait à leurs prédécesseurs. Nous croyons nullement ainsi à la réduction de la liberté à de simples acquis sur le terrain juridique. C'est parce que nous pensons que la liberté passe d'abord par des pratiques que nous refusons l'idée que le mariage pour tous constituerait une étape effective dans une logique de libération des gays et lesbiennes. Cet acquis se limite à une avancée en termes d'égalité juridique, simplement. En a-t-il de même pour Taïwan, avec ce droit nouvellement acquis de se marier entre personnes de même sexe ? C'est ce qu'on va commencer à questionner au moins à présent.
Faisons remarquer d'abord que si la question du mariage entre personnes de même sexe se place d'emblée sous le signe de la loi, du juridique, c'est que le vote du Parlement taïwanais en faveur de ce mariage le 17 mai dernier faisait suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle de 2017 jugeant anticonstitutionnelle l'impossibilité pour des personnes de même sexe de se marier entre elles. Cette entrée du mariage dans la sphère juridique constitue en elle-même une nouveauté datant des années 2000, puisque auparavant le mariage n'était plus envisagé par les Taïwanais comme un acte privé qui engageait deux familles ou deux clans et qui ne nécessitait pas forcément un enregistrement officiel auprès des autorités locales. À cet égard, c'est le développement d'un droit public plus contraignant, joint à l'influence du droit occidental, qui a conduit le gouvernement à encourager, puis à obliger les couples mariés à s'enregistrer officiellement. Mais plus profondément, il convient de prendre en compte ici l'engagement du gouvernement taïwanais lui-même quant à la question du mariage entre personnes de même sexe, en ceci qu'il va envisager cette question selon l'angle des droits de l'homme. On essaiera de voir si cette dimension juridique conférée au mariage entre personnes de même sexe circonscrit l'ensemble de ce phénomène, en en faisant simplement une question de droits humains, ou si cet ancrage dans la loi est plus circonstanciel, auquel cas nous aurons à nous interroger sur les motivations spécifiques des gays et lesbiennes à Taïwan, ayant conduit à cette revendication d'un mariage entre personnes de même sexe, mais aussi sur les effets réels du point de vue des mœurs dans la société d'une telle évolution législative. Je précise que ce que je dis ici vaut plutôt évidemment à titre de questionnement, un peu comme une base susceptible d'ouvrir sur de futurs échanges, n'ayant évidemment nullement la prétention de dire ce qu'il en est de la logique de cette revendication d'un mariage entre personnes de même sexe à Taïwan, pas plus que de ses éventuelles conséquences, surtout ici, m'adressant à un public au moins majoritairement taïwanais. Si dans les années 2000, les organisations gays et lesbiennes militent activement pour le développement d'une culture homosexuelle ainsi que pour l'obtention d'un droit à se marier, Valérie Mespoulet, dans son livre « Être femme et lesbienne à Taïwan », qui m'a été fort utile pour cette seconde partie de l'exposé, fait remarquer qu'à cette époque, le contexte est favorable pour que ces revendications reçoivent un écho politique. Je cite donc cet auteur. Alors que depuis son élection en 2000, le président indépendantiste Chen Shui-bian mène une politique de lobbying international de reconnaissance de Taïwan, une série de mesures progressistes sont prises par son gouvernement. En ce qui concerne les droits des homosexuels, un projet de loi dit « garantie des droits de l'homme » est rédigé. Ce projet comprend du coup comme garantie le droit de se marier et d'adopter pour tous. La clause 6 stipule que le gouvernement doit protéger les droits des homosexuels et qu'il doit être permis aux homosexuels d'établir des liens familiaux. Dorénavant, la question du mariage homosexuel tournera autour de la question des droits de l'homme applicables à tous. On n'oubliera pas non plus que depuis la fin des années 1980, Taïwan cherche à réintégrer l'ONU, dont elle avait été exclue en 1971. À cet égard, la levée de la loi martiale en 1987, mais aussi le choix des dirigeants taïwanais d'en finir avec la considération de l'homosexualité comme une déviance, après que l'OMS ait décidé en 1990 de retirer l'homosexualité de la classification internationale des maladies, ne sont pas étrangères à ce souci de reconnaissance. C'est encore indéniablement la volonté de Taïwan d'apparaître comme le pays le plus démocratique d'Asie, respectant scrupuleusement les droits de l'homme, qui conduira l'île à adopter en 2019 le mariage entre personnes de même sexe, ou plutôt l'autorisation pour des personnes de même sexe de contracter des unions permanentes exclusives susceptibles d'être enregistrées au registre des mariages, façon d'apparaître comme le champion asiatique des droits humains dans un contraste non moins voulu vis-à-vis du voisin chinois. La bienveillance internationale, en particulier de la part des États-Unis à l'égard de cette évolution de Taïwan visant à reconnaître des droits aux homosexuels, n'a pas été sans effet sur la manière dont les jeunes activistes gays et lesbiennes ont envisagé leurs revendications, notamment en reprenant l'acronyme anglo-saxon LGBTQ en alphabet latin de surcroît, ou encore en se plaçant sous la bannière arc-en-ciel du Rainbow Flag. Du coup, le mouvement revendicatif gay et lesbien semble se fondre dans un mouvement global des demandes LGBTQ des années 2000, dans leur style et dans le contenu de leurs revendications. Le mariage entre personnes de même sexe apparaît dès lors comme un horizon désirable et susceptible d'ouvrir à une reconnaissance sociale et d'abord juridique des couples de même sexe. En cela, on serait bien en face d'une homogénéisation planétaire en cours des revendications homosexuelles. Selon cet axe d'approche, en effet,
le souci de reconnaissance sociale, d'inclusion, à l'œuvre aussi à Taïwan, sous l'indication d'un mariage entre personnes de même sexe, nous conduirait à retrouver les formes de normalisation déjà indiquées pour les pays occidentaux, avec une rupture comparable à l'égard d'un certain passé des existences gays et lesbiennes, passé tel que peut passer, tel que peut en témoigner par exemple le beau livre de Xian Nyong Dai, dont la traduction française du titre était « Garçon de cristal ». De jeunes prostituées s'y trouvent réduites à une existence dans la marginalité du fait d'avoir été rejetées par leur famille pour leur homosexualité. Malgré tout, malgré les dangers de leur existence, leur misère, des solidarités parviennent parfois à se nouer qui éclairent leurs existences. Il ne s'agit évidemment pas de regretter un temps où les homosexuels pouvaient se trouver contraintes à des existences aussi précaires parce qu'homosexuels. On n'est pas obligé non plus d'applaudir à l'individualisme à tout craint et au consumérisme des existences homosexuelles normalisées. Prenant garde en cela, de ne pas oublier l'avertissement de Lee Ok-young, lancé à la fin des années 70, à l'égard des homosexuels visant à la respectabilité, je cite Ok-young, quand l'homosexualité s'avoue et se rationalise, elle tente de repousser dans l'ombre ses anciens compagnons des bas-fonds. La rupture des amours interclassistes est la condition du salut homosexuel. Fin de citation. Pourtant, le simple fait que l'union entre personnes de même sexe soit désignée comme exclusive ne doit pas nous faire oublier cette particularité selon laquelle, à Taïwan, l'adultère continue d'être sanctionné par la loi, particularité qui fait conserver cette forme du mariage entre personnes de même sexe un air malgré tout exotique dans notre modernité. Ce nouveau droit pour les homosexuels à Taïwan demande donc à être replacé plus précisément dans le contexte de la société taïwanaise. Ce n'est qu'ainsi que pourra émerger éventuellement quelque chose de spécifique dans cet accès au mariage entre personnes de même sexe à Taïwan, ce qui pourrait peut-être éviter d'en faire un simple mouvement de normalisation des gays et lesbiennes. Faisons remarquer d'abord que l'adoption au Parlement d'un droit de s'unir entre personnes de même sexe a fait suite à un rejet initial de cette proposition par référendum. La législation taïwanaise accorde en effet la primauté au vote parlementaire, la voie référendaire lui étant subordonnée. Il ne s'agirait cependant pas d'en conclure trop hâtivement que le Parlement serait ainsi prononcé contre l'avis tranché d'une écrasante majorité de Taïwanais taïwanaises qui aurait rejeté toute idée d'union juridiquement validée entre personnes de même sexe. Les résultats demanderaient à être regardés de plus près en fonction des questions posées, qui allaient de l'affirmation qu'un mariage doit unir nécessairement un homme et une femme, à la demande d'une loi spécifique pour les unions. À la demande d'une loi spécifique pour les unions entre personnes de même sexe, qui a obtenu celle-là une majorité de voix, 6,5 millions pour et 4 millions contre, en passant par l'exigence de la fin de l'enseignement obligatoire des questions LGBT à l'école. Toujours est-il que le résultat du référendum reste malgré tout clair, il y a plutôt une opposition au mariage entre personnes de même sexe. La société taïwanaise, cependant, n'apparaissait pas comme rétive à une union juridique spécifique entre personnes de même sexe. Cela demande qu'on s'interroge sur le statut du mariage Taïwan, sur la signification sociale et symbolique qu'il y revêt, car cela éclairera à la fois les réticences au mariage entre personnes de même sexe qui s'y expriment, mais aussi ce à quoi aspirent les militants et militantes LGBT en réclamant un droit à se marier. S'il est évident que Taïwan tenterait est entré dans l'ère de la modernité, notamment technique et économique, 22e force économique dans le monde et constituant l'un des quatre tigres asiatiques selon l'expression consacrée, à côté de Singapour, de Hong Kong et de la Corée du Sud, il n'en reste pas moins que l'île s'enracine dans un sol culturel confucéen, qu'il est impossible d'ignorer, précisément en vue de saisir la signification d'un certain nombre de spécificités qui la caractérisent. En effet, comme l'écrit Valérie Lespoulet, que je vais à nouveau citer, je cite, dans le monde chinois et à Taïwan, ce n'est pas la religion qui est à la base de la société, mais la pensée confucéenne et la cosmologie yin-yang qui structurent les rapports entre les êtres humains pour parvenir à une harmonie sociale. Aussi, contrairement aux religions monothéiste, ce n'est pas l'orientation sexuelle qui retient le plus les préoccupations, mais l'idée d'une continuation des générations, des générations, qui place le mariage et la famille au cœur de l'organisation sociale. Fin de citation.
Si donc cette base confucéenne présente bien un aspect binaire, tendant à hiérarchiser le monde, le yang, lumière, émergence de vie, mouvement, chaleur, et donc masculinité située en haut, et le yin, ombre, disparition, froid, intériorité, et donc féminité en position d'infériorité. Pourtant, entre yin et yang, il n'y a pas d'opposition absolue, mais plutôt un rapport de complémentarité. Il s'agit au fond d'obtenir une harmonie sociale à travers une harmonie dans les relations humaines, garantie par le fait que chacun se comporte de façon adéquate en fonction de la place qu'il occupe. C'est donc ainsi.